c'est une bonne idée d'essayer de protéger comme on protège beaucoup de choses, de protéger aussi sa collection et parce que ça a de la valeur. J'ai à peu près 3200 vinyles. Ça a commencé quand j'étais tout petit. Quand j'avais 10 ans, j'ai été passionné par l'objet. Alors, il y a mille façons de collectionner. Quand on collectionne la musique des années 60, on a dans les mains un objet qui a parfois été tenu dans les mains d'un adolescent du Minnesota. Mon premier disque, c'était un album des Beatles, c'était Revolver, que j'avais trouvé dans un marché aux puces de Saint-Ouen. J'avais 10 ans et j'avais été tout de suite attiré par la pochette. La valeur d'un disque, elle peut s'apprécier avec plusieurs critères. Il faut que le disque soit recherché. Il peut être recherché soit parce qu'il a été pressé dans des petites quantités, soit parce que c'est un grand classique. Une collection de disques, c'est un peu comme une cabane d'enfants dans laquelle on se réfugie. C'est un petit monde dans lequel on se sent bien, on se sent chez soi. Chaque disque a vraiment de la valeur.